Salut au nom de l'unité, la dignité et le courage. Nous sommes aujourd'hui ici, sous cette atmosphère ô combien morose de Paris, pour marquer cette unité du peuple africain. Cette unité qui pour nous est le ciment qui va consolider notre marche vers la souveraineté. Cette souveraineté véritable de notre chère et mère patrie d'Afrique qui est successivement bafouée. Bafouée parce qu'il y a certaines personnes qui estiment que l'avenir de notre chère et mère patrie d'Afrique, l'avenir de notre peuple se trouve entre leurs mains. Alors ça, c'est le commencement. C'est le commencement parce que vous êtes en train de voir que nous marchons. Mais nous marchons vers une destinée. Nous marchons vers cette destinée. Cette destinée qui nous conduira vers cette souveraineté. Aussi longtemps que la souveraineté sera un droit garanti à tout le peuple. Aussi longtemps que la souveraineté sera un droit garanti par la Charte des Nations Unies. Aussi longtemps que la souveraineté sera acceptée par tous. Nous refusons et nous refuserons catégoriquement que le peuple africain en soit privé de manière arbitraire. Donc ainsi dit, nous nous mobilisons. Comme l'Afrique se mobilise pour la souveraineté, nous allons mobiliser toutes nos énergies, toutes nos capacités, tous nos moyens pour marcher vers cette dignité. Parce que cette souveraineté sera le socle fondateur de notre respect, du respect qui nous est dû, le socle fondateur de l'élévation et de la croissance économique de notre chère et mère patrie d'Afrique, mais aussi de la mise en place des échanges économiques, des échanges culturels pour sortir de cette aliénation culturelle et de la domination économique dont nous sommes victimes. Mais aussi, je conclue par la mise en place des politiques structurelles qui permettront à notre chère et mère patrie d'être digne et de prendre sa place dans l'échiquier de la politique internationale. Méchant, 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 je suis pas mortel, méchant, je suis pas mortel.
Nous sommes là pour manifester contre les dictateurs africains. Nous sommes là contre tous les dictateurs de l'Afrique. Nous disons non. Nous disons non à Sassou Nguesso. Nous disons non à Omar Bongo. Nous disons non à Monsieur Kabila alias Kanambe. Nous disons non à Monsieur Kagame. Nous disons non à Monsieur Museveni. Nous disons non à Monsieur Ouattara. Nous sommes là justement pour nous soutenir. Nous sommes une force ici en Europe. La force c'est ici en Europe. La force africaine c'est ici en Europe. Nous disons non aux dictateurs africains. Nous disons non aux corruptions. Nous disons non au génocide qui se passe en Afrique. Peuple africain, voilà la réalité. La réalité est là. La réalité est là. Ingeta. Ah oui, c'est bien. Donc ça t'est parmi un. Bonjour, Centrafricaine, Centrafricain. Peuple d'Afrique, nous sommes ici, dans ce cœur de Paris, pour marcher pour l'honneur, la dignité et le respect de nos femmes, mères, filles, sœurs, qui sont violées au quotidien en République démocratique du Congo, en Centrafrique où des villages entiers sont quotidiennement incendiés, où la misère règne, alors que sur le continent africain, de manière générale, et particulièrement chez nous, en République démocratique du Congo, en République centrafricaine, pour ne citer que ces deux pays, voisins, frères, balkanisés, car la balkanisation est contraire à l'idéal panafricain. Le panafricanisme pour lequel nous marchons aujourd'hui vise à rassembler tous les peuples africains, d'est en ouest, du nord au sud, pour qu'ils puissent vivre des jours heureux en usant de leurs richesses, de leur patrimoine, de ce qui leur appartient, en choisissant eux-mêmes celles et ceux qui doivent parler en leur nom, leurs dirigeants, en se débarrassant de ces criminels, de ces assassins qui écument le continent africain, qui enlèvent des filles et des femmes, qui les transforment en esclavage, qui violent et qui tuent. On doit éradiquer tout cela. Et pour ce faire, nous marchons pour exiger que dorénavant, les peuples africains doivent être traités avec respect, avec dignité, qu'on n'ait pas des enfants, que cette jeunesse africaine qui se mobilise aujourd'hui n'est pas la jeunesse d'il y a quelques siècles. La jeunesse africaine qui bat les pavés de Paris aujourd'hui n'est pas celle d'il y a un demi-siècle, d'il y a un siècle. C'est une jeunesse déterminée, une jeunesse progressiste, une jeunesse éclairée, une jeunesse humaine qui est là en train d'œuvrer, d'agir et d'exiger que ses droits soient reconnus. Et elle est là, la jeunesse africaine, dans les rues de Paris aujourd'hui, pour conquérir sa dignité, conquérir sa dignité, conquérir son honneur, conquérir son respect longtemps bafoué. Et là, elle est déterminée, ce rassemblement, cette marche d'aujourd'hui n'est que le commencement du début, pour ne pas dire le début du commencement. Et je vous remercie. Abdelkrim Yacoub du Tchad. Nous marchons aujourd'hui avec nos frères d'Afrique, nos compatriotes d'Afrique, pour dire trop, c'est trop. Dire trop, c'est trop d'abord aux dictateurs qui oppriment leur peuple, qui massacrent leur peuple, qui tuent en toute impunité, qui violent, qui volent, qui traduisent les élections, qui s'accrochent au pouvoir et qui veulent même transmettre le pouvoir à leurs enfants.
nous leur disons c'est fini. Deuxième message, le message on l'envoie à l'opinion internationale, à ces puissances qui, par leur complaisance, par leur complicité, soutiennent ou carrément mettent des dictateurs, imposent des despotes à nos peuples pour leurs intérêts. Nous leur disons c'est fini. La nouvelle génération de l'Afrique ne parle plus en pays, ne parle plus en territoire. La nouvelle génération parle au nom de l'Afrique. Du Cap à Tunis, de Dakar à Djibouti, nous sommes un seul peuple. Nous nous battrons pour notre liberté, pour la justice, pour la démocratie et pour notre devenir. Nous nous battrons pour notre avenir. Nous prendrons notre responsabilité en main. Cette génération a merde et dit merde à tous ceux qui pillent l'Afrique, qui ne respectent pas l'Afrique. Voilà le message qu'on porte. Un message d'avertissement. Parce qu'après, il n'y aura pas un autre avertissement. Ce qui s'est passé au Burkina n'est que le début d'une grande vague qui va envahir non seulement les despotes, les dictateurs, mais aussi leurs complices. Nous battrons le pavé, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, on marchera pour l'Afrique, au nom de l'Afrique et pour l'Afrique. Un seul peuple uni, déterminé pour sa victoire. Pour l'Afrique, nous mourrons. Pour l'Afrique, nous irons jusqu'au bout. L'Afrique ou la mort, nous vaincrons. Voilà le message qu'on envoie à tout le monde. Donc on dirait à toute la génération africaine de se réveiller, d'ouvrir les yeux, de se donner la main et de sortir massivement pour réclamer la souveraineté de notre cher continent, martyrisé pendant des siècles et des siècles. À partir de maintenant, l'Afrique se réveille. Le soleil se réveille. Le soleil se lève à l'Afrique. Et elle ne se couchera au grand jamais. Voilà, nous ne courberons jamais les Chines, que ce soit à ces sociétés multinationales qui corrompent nos États, nos dirigeants, à ces puissances qui, par leur complaisance, nous ont meurtri l'Afrique. L'Afrique se réveille difficilement, mais elle se réveille. Basta! Nous irons et nous arriverons. Voilà, c'est le message que j'envoie à tout le monde. Merci. Chers compatriotes congolais, peuple africain, peuple du monde, amis de l'Afrique, aujourd'hui l'Afrique se mobilise pour sa souveraineté. Nous battons les pavés parisiens pour montrer à la communauté nationale et internationale que les Africains sont déterminés. Pourquoi nous sommes déterminés? Tous les pays africains sont indépendants, mais nous vivons sous la domination des néocolonialismes. Nous vivons sous la domination des impérialistes. Aujourd'hui, nous voulons que l'Afrique soit un continent de pays libres, indépendants et souverains. Aujourd'hui, nous voulons que tous les présidents dictateurs qui sont mis par la force, par les Occidentaux, nous ne voulons plus de ça. Aujourd'hui, les peuples africains demandent que tous les présidents soient élus, qu'ils puissent être élus démocratiquement par le peuple. Et non qu'on nous impose des présidents qui vont couler les pays, qui vont chiter notre pays à cause de leurs intérêts personnels, à cause des multinationales, à cause des Occidentaux qui sont là en train de piller nos richesses jour et nuit. Et pour la République démocratique du Congo, il y a autant de viols, il y a autant de massacres, il y a autant de génocides. Le plus grand génocide du monde, c'est en République démocratique du Congo. Mais la communauté internationale n'en parle pas. Aujourd'hui, nous, peuple congolais, peuple africain, nous sommes déterminés pour dire stop à tous ces massacres, stop à la balkanisation qu'ils sont en train de préparer, que le pays voisin, ils sont en train de préparer le Rwanda, l'Ouganda, Burundi et les Occidentaux, plus les multinationales. Aujourd'hui, nous voulons notre souveraineté. Nous voulons que la République démocratique du Congo soit un pays de paix libre, tranquille et surtout, comme j'ai dit, indépendant. Mais aujourd'hui, l'Afrique se mobilise. Nous sommes ensemble avec tous les amis. Nous avons réuni plus de 35 à 40 pays. C'est ça la fierté, c'est ça le panafricanisme. Nous avons réussi le pari qu'on avait prévu. Aujourd'hui, vous avez vu tout le monde qui sont aujourd'hui. C'est pour montrer l'unité, l'union et cette solidarité. Je crois que nous vaincrons parce que nous avons notre vision. Un jour, c'est d'arriver à créer un États-Unis d'Afrique. Ingeta.